Entrée triomphale pour le président ukrainien dans l'enceinte du Parlement à Ottawa. Contrairement à Washington la veille, Volodymyr Zelensky n'aura pas à convaincre que l'aide à l'Ukraine doit se poursuivre pour affronter la machine de guerre russe. Il n'y a pas de débat là-dessus au Canada ou de division comme chez les Républicains aux États-Unis. Je te remercie, Canada. Volodymyr Zelensky a plusieurs fois remercié le Canada, qui, selon lui, est toujours du bon côté de l'histoire, du côté de la justice. It is genocide. La Russie commet un génocide en Ukraine, lance le président Zelensky, et l'aide des pays alliés est précieuse, dit-il. When we call on the world to support us, it is not just about an ordinary conflict. It is about saving lives of millions of people. Le président rappelle à la mémoire l'Holodomor, l'extermination par la famine des Ukrainiens par la Russie de Staline il y a 90 ans, avec près de 5 millions de morts. Plus jamais, dit-il. This Russian aggression must end with our victory. Yes. So that Russia will never bring back genocide to Ukraine and will never ever try to do so. Moscow must lose. Once and for all. De son côté, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une aide supplémentaire. $650 million. 650 millions sur trois ans pour fabriquer une cinquantaine de véhicules blindés destinés à l'Ukraine et envoyer des instructeurs pour les pilotes d'avions F-16. Une aide militaire, financière et humanitaire qui atteint maintenant plus de 9 milliards de dollars. Et le premier ministre répète que le Canada restera aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et que la paix ne doit pas fournir un compromis avantageux à la Russie. Pour une paix durable, on doit s'opposer à Poutine et rejeter ses tentatives de nous ramener à une époque où la force fait la loi. En matinée, le président Zelensky a rencontré la gouverneure générale Mary Simon, qui lui a appris le mot Inuktitut, Ajuinata, qui signifie persévérer, ne jamais abandonner. Il l'a repris en conclusion de son discours. Ajuinata, Canada. Ajuinata, Ukraine. Slava Ukraine! Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.